Bonjour à tous, je vous retrouve cette semaine, ce dimanche, pour vous parler de mes petites lectures de la semaine. On va voir ceci. Je commence par ma lecture, qui était une de mes lectures en cours que vous avez vue la semaine passée, me semble-t-il, c'est celui-ci. C'est Symbiose de Camille Salomon aux éditions Inceptio. J'ai d'ailleurs même reçu le joli marque-page avec quand j'ai commandé le livre. Alors au niveau de cette lecture, j'ai pu la terminer, c'est un livre qui se lit assez vite, c'est assez aéré au niveau du texte. Pour l'histoire de ce livre, on va se retrouver à Paris dans les années 1900, donc l'exposition universelle va bientôt ouvrir ses portes et c'est évidemment un très très grand événement, un événement très important et toute la concentration est concentrée sur cette exposition qui va bientôt avoir lieu. Et on est dans un monde, c'est ça qui est super intéressant, en tout cas moi j'ai bien aimé cet aspect, c'est que nous sommes dans un monde où les êtres humains vont côtoyer aussi des créatures surnaturelles. Donc il y a un peu de tout, on va retrouver des créatures féeriques et d'autres un peu plus maléfiques. Et on constate que la journée est plutôt consacrée aux féeriques et la nuit aux maléfiques. Et une nuit, une femme va être retrouvée morte et il s'agit clairement d'un assassinat assez sanglant et assez particulier. Je ne vais pas vous en dire plus. Octave est un jeune policier qui va être chargé de cette enquête. Et il s'agit évidemment de faire vite et d'être discret, évidemment pour que ça n'entache pas l'ouverture de l'exposition universelle. Voici en gros pour l'histoire. Donc j'ai dans son ensemble apprécié cette lecture, c'est fluide, ça se lit vite, la plume est agréable. J'ai beaucoup aimé l'ambiance et l'époque, donc le fait de côtoyer les créatures surnaturelles et des êtres humains, j'ai trouvé ça vraiment très très chouette. Il y a vraiment de tout au niveau des créatures surnaturelles. On va retrouver donc des vampires, on va retrouver des fées, il y a des sorcières, il y a des mages, il y a des ghouls, il y a des loups-garous. Enfin, il y a vraiment plein de sortes de créatures. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment très très bien exploité. J'ai beaucoup apprécié, cet aspect est très travaillé. Et on est donc dans une enquête policière qui est menée par le personnage d'Octave dans un monde où la science est en pleine expansion, évidemment. Et il y a des tensions entre les différentes communautés et il y a une méfiance envers les maléfiques. On constate quand même que tout n'est pas tout rose, c'est pas non plus le monde des bisounours. Et l'enquête en fait sur le meurtre de la jeune femme va vraiment mener le personnage d'Octave vers un projet beaucoup plus complexe, beaucoup plus dangereux, beaucoup plus sombre. Donc il y a davantage qu'une simple enquête policière entre guillemets. Par contre, le petit hic, c'est qu'on va découvrir très très vite le meurtrier en fait et le mobile du crime. Donc celle-là casse un peu du coup l'enquête policière. Le personnage d'Octave m'a laissé assez perplexe parce qu'au début, on le décrit comme étant extrêmement timide, extrêmement effacé. Il sort pas le soir, il a des problèmes liés à son passé, il est très craintif. Et il va se transformer en un personnage vraiment fonceur, téméraire, en un clin d'œil. Ça va se faire vraiment très très rapidement. Donc j'ai pas trouvé ça très cohérent qu'il change complètement sa nature comme ça d'un coup. Il est également décrit au départ comme un personnage, comme un célibataire endurci. Qui limite à peur des femmes. Et dans cette histoire, on constate qu'il va s'intéresser à trois femmes. Donc pour quelqu'un qui n'ose pas aborder la gente féminine, c'est pas très cohérent, c'est pas très crédible. Voilà, cet aspect m'a un petit peu laissé perplexe parce que voilà, de nouveau, c'était pas logique, c'était pas normal que de nouveau il change sa nature à ce point-là. Donc de manière générale, j'ai passé un agréable moment avec cette histoire, malgré évidemment quelques points négatifs. Mais comme la plume est assez élégante, l'imagination est vraiment débordante, c'est cet aspect-là qui a pris l'avantage et du coup, bah, j'ai bien apprécié dans son ensemble. Ensuite, je vais vous parler de celui-ci qui est Les Secrets de Dumbledore. C'est écrit évidemment par J.K. Rowling et Steve Kloves. On est aux éditions Gallimard. C'est le texte du film. C'est le troisième tome des Animaux Fantastiques, de la saga Les Animaux Fantastiques. Et attention, c'est le texte du film. Donc, on va avoir ceci. C'est vraiment le script. Donc c'est pas un roman, c'est vraiment le script. Donc il faut faire attention à ça. Si vous n'appréciez pas ce style, ben, peut-être pas aller vers ce livre.
Tout d'abord, le livre, il est vraiment magnifique. Je vais vous montrer déjà quand on ouvre. Le rabat est comme ceci, super beau, avec un petit fond en couleur. À l'intérieur, on va avoir des illustrations qui vont être insérées, des illustrations en noir et blanc, comme ça. On en a plein, hein, vraiment on en a plein. On a aussi des petites choses comme ceci, avec à chaque fois la légende en bas, donc on n'est pas du tout perdu. Hop, encore ici. C'est vraiment un très très beau livre. Moi, j'ai beaucoup apprécié le travail qui a été fait sur ce livre. Hop, encore une illustration. Bref, vous avez compris, il y a vraiment plein de choses dans ce livre. Je ne vais pas trop vous en parler étant donné que c'est un troisième tome, que c'est la suite, qu'il faut mieux évidemment commencer par le début, à savoir les animaux fantastiques. Je l'ai acheté très récemment, en fait je l'ai acheté dans le courant de la semaine et j'ai pas pu m'empêcher de directement le lire. Ça se lit très vite, il y a 287 pages, quelque chose comme ça, et ça se lit extrêmement vite, surtout qu'il y a des illustrations et tout ça entre, même en prenant son temps, moi je l'ai fini très rapidement. Et donc j'ai évidemment beaucoup aimé, j'avais aimé le premier livre, le second livre, j'ai aimé également le troisième livre, je n'ai pas encore vu le film. J'ai vu le film Les Animaux Fantastiques, j'ai vu le film Les Crimes de Grindelwald, mais j'ai pas encore vu le film de celui-ci, donc je suis assez contente d'avoir d'abord découvert en livre, et ensuite je regarderai bien évidemment le film. En gros, dans cette lecture, dans cette histoire, c'est un récit qui est plus axé sur le personnage de Dumbledore et sur le personnage de Grindelwald et de leur lien, leur relation. Donc on va se retrouver à Poudlard aussi pour certaines scènes. Moi, j'ai trouvé ça très agréable aussi. Dans ce troisième tome, donc, on a Grindelwald qui continue à fomenter tous ses sombres projets et il ambitionne en fait de prendre le contrôle du monde des sorciers. Et évidemment, si ça arrivait, ça aurait un énorme impact sur le monde des moldus. Donc il est impératif de l'en empêcher et c'est là que on va retrouver Norbert Dragono avec tous ses amis qui vont tout faire pour empêcher cette catastrophe, bien évidemment. Donc voilà, ça c'est en gros pour l'histoire. Comme ça, vous avez un cadre, vous avez un petit contexte. Mais j'ai vraiment adoré, comme je vous ai dit, dans ce livre, on va retrouver des illustrations en noir et blanc. Il y a aussi des plans, il y a des présentations de costumes, il y a des dessins préparatoires, il y a des commentaires aussi des acteurs, etc. Donc c'est vraiment très très chouette. Ça se lit tout seul. Moi, j'ai adoré. Si vous aimez l'univers Harry Potter, si vous aimez l'univers Les Animaux Fantastiques, je vous dirais de foncer et de le découvrir évidemment sans tarder. Lecture suivante, c'est celui-ci qui est le tome 2 des détectives du Yorkshire. Je pense que je vous en avais parlé un tout petit peu la semaine passée. Je l'avais peut-être commencé ou à peine commencé, peut-être juste un chapitre. Mais en tout cas, c'est le tome 2, Rendez-vous avec le crime, écrit par Julia Chapman. On est aux éditions Robert Laffont, La Bête Noire. Je l'ai terminé et franchement, je pense que je l'ai même préféré au premier. Le premier, j'avais beaucoup apprécié l'ambiance, l'univers. Mais dans ce second tome, j'ai l'impression que j'étais encore plus happée, que j'ai encore plus adoré cette histoire. C'est peut-être parce que du coup, bah, je connaissais déjà les personnages, les petites tensions dans le village, tout ça. Je cadrais, en tout cas, j'arrivais mieux à cadrer qui était quoi. Et du coup, je me suis laissée porter et j'ai vraiment adoré. Je l'ai lu aussi très très vite parce que je voulais absolument savoir comment ça allait se finir. Mais dans cette histoire, on va à nouveau suivre évidemment les personnages principaux qui sont Sanson O'Brien, qui est en charge de l'agence de détective qu'il a ouvert dans son village. Et il y a également toujours Delilah qui est bien présente aussi et qui va l'accompagner dans ses enquêtes policières. Ils forment un petit tandem, un duo qui fonctionne très très bien. Et dans cette histoire, en fait, premièrement, il va y avoir la disparition d'un mouton, un bélier plus précisément, qui a coûté très très cher parce que c'est un bélier reproducteur, donc il est très important financièrement, c'est important de le retrouver, et le fermier va demander à Sanson de prendre cette enquête et retrouver, voir ce qui s'est passé en fait avec ce mouton. Et en même temps, il a également la visite d'une vieille dame qui réside dans la maison de retraite qu'on découvre aussi dans le premier tome, là où justement se trouve
plusieurs personnes très sympathiques et également le père de Samson. Il y a cette petite dame qui arrive, elle a l'air un petit peu à côté de ses pompes et en fait, elle dit à Samson qu'il se passe des choses bizarres dans la maison de retraite, qu'elle ne se sent pas à son aise et qu'elle a l'impression que quelqu'un veut la tuer. Mais cette dame apparemment elle a des problèmes de mémoire et Samson la prend pas vraiment au sérieux et malheureusement mais quelques jours plus tard elle décède. Samson va être un petit peu embêté et comme il va se passer de plus en plus de choses étranges dans cette maison de retraite, il va décider de se lancer dans cette enquête. Delilah va évidemment l'aider un peu contre son gré comme d'habitude et Calimero aura également sa place dans cette histoire. Mais j'ai vraiment adoré, je me suis laissée emporter, c'est vraiment super, c'est super agréable comme lecture, l'enquête elle est top. Je ne m'attendais pas à ça parce qu'on est dirigé vers des fausses pistes où on se dit c'est trop gros pour que ce soit ça, mais on ne voit pas trop qui ça pourrait être d'autre parce qu'il n'y a pas non plus 1 million de personnages. Donc finalement, il y avait une surprise au bout de la lecture. Donc j'ai vraiment apprécié, les personnages sont super attachants. Les deux principaux aussi, mais voilà, il y a aussi toutes les tensions et toutes les histoires de famille qui tournent autour. Enfin, c'est vraiment superbement bien fait. Donc, j'ai adoré cette ambiance, j'aime vraiment cette atmosphère. En plus, dans ce livre ici, bon, je ne le savais pas, mais il y a une petite ambiance de Noël parce qu'on est vraiment à l'approche des fêtes. Donc, il fait froid, le temps n'est pas vraiment idéal, mais je sais pas, je l'ai vraiment apprécié. Du début à la fin et du coup j'ai envie de poursuivre parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui sont sortis, il y en a peut-être déjà 5 ou 6, je sais pas exactement et j'ai même pas le 3 ici à la maison dans ma palle donc je suis un petit peu coincée. La dernière lecture que j'ai terminée c'est celui-ci qui était une de mes lectures en cours, je vous en avais un petit peu parlé, L'ami imaginaire, on est aux éditions Le Livre de Poche de Stephen Chbosky. C'est une belle brique, je vous l'avais dit, il fait plus de 900 pages, je l'ai terminé et franchement j'aime bien. Donc pour l'histoire, on est dans un village où il y a un petit garçon qui a disparu, mais c'était il y a genre 50 ans, un truc comme ça. On l'a jamais retrouvé, c'est un petit peu flou et on est maintenant dans le présent. On a une mère qui arrive dans ce village avec son fils qui s'appelle Christopher. Elle fuit sa vie passée. Et elle arrive un peu incognito dans ce village où elle s'installe. Son fils Christopher, il commence sa vie à l'école. Il a des soucis parce que c'est un petit garçon qui a des problèmes de dyslexie. Donc il a du mal en lecture, il a du mal en maths également. Donc sa maman, elle essaye vraiment de tout faire pour l'encourager à s'accrocher et pour l'aider. Pour elle, c'est pas facile non plus parce qu'elle n'a pas beaucoup d'argent. Donc elle cherche un travail. Elle a du mal à nouer les deux bouts clairement au début. Et un jour, son fils, donc le petit garçon Christopher, va disparaître. Il va disparaître pendant 6 jours et il va être retrouvé tout à fait par hasard par une jeune fille et il sortait d'un bois, donc le bois qui est dans cette ville et il se souvient de rien. Il se souvient juste qu'il y a un gentil monsieur qui l'a justement guidé pour l'aider à sortir de ses bois. Apparemment, il n'a rien, il n'est pas blessé. C'est juste qu'il a des problèmes de mémoire parce qu'il ne se rappelle pas ce qui s'est passé pendant ces 6 jours. Et fait étrange, c'est que maintenant, il a l'air plus intelligent dans le sens où ses problèmes de lecture se sont envolés. Son problème de dyslexie semble s'être envolé. Il devient vraiment très très doué en maths. Bref, il a des facilités à l'école qui sont arrivées comme ça du jour au lendemain. Et il y a de plus en plus de choses qui se passent, de choses étranges qui tournent autour de lui. Donc je ne vais pas trop vous en dire non plus, ça c'est pour l'histoire, mais j'ai vraiment bien apprécié, c'est vraiment ambiance film d'horreur. Il y a vraiment un côté surnaturel qui est bien présent, d'ailleurs c'est indiqué à l'arrière, on dit qu'on nous entraîne dans un roman sombre et captivant, où le surnaturel, l'angoisse et l'horreur s'invitent à chaque page. Et en fait, c'est vraiment ça. Donc, c'est un livre qui fait peur parce que je me dis que ça pourrait très bien passer en film. Il y a une ambiance flippante comme ça du début à la fin. Il y a parfois peut-être quelques longueurs, mais bon, c'est un livre qui fait 900 pages. Donc, quel livre de 900 pages
de 900 pages à un moment donné ne semble pas un petit peu long, mais la lecture est super fluide. On reste dans cette ambiance angoissante tout le temps, vraiment tout le temps. Il y a des surprises, il y a des retournements de situation. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, ça m'a vraiment, vraiment plu. Vraiment. C'est très bien écrit. Je pense que les personnes qui aiment bien lire du Stephen King vont s'y retrouver là-dedans. Moi, je ne suis pas une spécialiste de Stephen King. Je commence à en lire un petit peu. J'en ai plusieurs dans ma palle. J'en ai lu que quelques-uns. Vraiment, quasiment pas grand-chose du tout. Mais je pense que ça pourrait plaire à ce genre de public qui apprécie déjà Stephen King. Il y a aussi une dimension monde parallèle dans cette histoire. Donc voilà, c'est vraiment un roman assez noir, assez angoissant. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié. Les personnages sont bien travaillés. Il y a beaucoup de personnages, donc c'est pas seulement la maman et Christopher, mais il y a aussi plein d'habitants qui font partie de leur vie de tous les jours, les voisins, le shérif, des amis et tout ça. Donc ça, c'est vraiment agréable vu qu'on se situe plus facilement dans l'histoire. On continue aussi à suivre ces personnes, à découvrir plein de choses sur ces personnes. C'était vraiment une très très bonne lecture et je suis très contente d'avoir pu découvrir cet auteur et découvrir ce livre. Voilà, ça c'était pour mes petites lectures de cette semaine. Je vais rapidement vous parler de mes lectures en cours. Alors tout d'abord, il y a celui-ci. Je pense que je vous en avais parlé très très brièvement la semaine passée parce que je ne l'avais pas encore commencé, qui est Tombe oubliée de Preston et Child. On est aux éditions J'ai lu. Je suis plus ou moins à la moitié, donc j'ai pu bien avancer. Franchement, ça se lit super bien, c'est très fluide, j'aime beaucoup. Il va y avoir une affaire de pillage de tombes. On va constater qu'il y a plusieurs tombes qui ont été fouillées, donc le FBI va commencer à enquêter. Et parallèlement à ça, il y a aussi une expédition archéologique qui va être lancée pour se rendre sur un site où un campement s'est perdu dans les années 1847. Cette expédition s'est retrouvée coincée dans une tempête de neige et dans la montagne. Ils étaient complètement isolés, les conditions étaient très difficiles, ils étaient complètement perdus et du coup bah, il y a eu du cannibalisme, ça on le sait. Donc cette expédition archéologique d'aujourd'hui est envoyée pour faire des recherches et faire des fouilles sur ce site. Et le but, l'objectif principal évidemment, c'est parce que apparemment c'est ce campement, donc ces personnes auraient trouvé un trésor. Donc évidemment, ça intéresse pas mal de monde et voilà, cette expédition est lancée sur place. Donc on suit deux enquêtes qui vont évidemment se regrouper à un moment donné. Je ne vais pas vous en dire plus parce que pour l'instant, je n'en sais pas plus non plus spécialement. Mais j'aime vraiment cette lecture, ça se lit très bien. C'est vraiment accrocheur, c'est addictif, j'ai adoré, enfin j'adore, pour le moment j'adore. Du coup, je vais terminer cette lecture. À mon avis, ce sera fait assez rapidement parce que c'est un livre de 400 pages. Je suis à un peu plus de la moitié, donc j'ai hâte de poursuivre et de finir. Seconde lecture, c'est celle-ci. C'est 200 d'écume et de glace, le livre 2, Légende, de Alexiane Delis. On est aux éditions Michel Lafon. J'avais lu le premier il y a pas longtemps, parce que c'était pendant juillet, je pense, parce que la couverture faisait très... été, père, mère, sirène, évidemment. Donc je m'étais lancée dedans et je me suis dit que j'allais pas trop traîner pour lire le second tome. C'est une trilogie en tout, le troisième n'est pas encore sorti à ma connaissance, mais j'avais envie de poursuivre et de au moins être à jour dans cette saga aussi. Comme ça, dès que le troisième tome sort, je pourrais sans trop tarder poursuivre et terminer. Donc là, j'ai juste commencé, j'ai vraiment pas lu beaucoup, j'ai lu le premier chapitre. Je suis au chapitre 2, page 28. Celui-ci est moins épais que le premier, il y a 380 pages, donc je pense que je le terminerai plus vite. On suit toujours Perséphone et j'ai hâte de découvrir ce qui va lui arriver parce que j'avais quand même bien accroché au premier tome, donc j'ai hâte de lire la suite. Je vous en dirai plus la semaine prochaine. Dernière chose que je vais commencer parce que je n'ai pas encore commencé, c'est celui-ci qui est un petit livre. Sorcière associée par Alex Evans. On est aux éditions Pocket. Je ne l'ai pas encore commencé, j'ai juste mis un petit marque-page.
Et voilà, je vous en dirai plus une fois que je me serai lancée dans cette lecture, bien entendu. Et voilà, on a fait le tour pour mes lectures faites, pour mes lectures en cours. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées de lecture. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un petit commentaire et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite un excellent dimanche, que tout se passe bien pour vous et à très bientôt.